Moi, c'est Matt Boudreau. Je suis originaire de Petit Rocher, au Nouveau-Brunswick. Puis moi, je suis ici à Granby parce que j'ai été au gala de la chanson de Caraquette. Fait que là, ça fait un accès direct aux demi-finales de Granby. Moi, je fais du rock and roll. C'est du rock and roll des Maritimes. C'est ce que je rêve de faire le plus au monde. C'est ce que je trouve qu'il y a un son par chez nous que je veux vraiment amener sur scène. Francophone, c'est pas un genre musical. C'est une langue dans laquelle on s'exprime. Puis dire que tout un genre musical, ça se définit juste par la langue, ça fait pas de sens parce que t'as de la musique qui est exprimée à l'aide du français, mais que ça peut être du rock, ça peut être du folk, ou ça peut être funk, ou ça peut être du slam, ou ça peut être n'importe quoi. Puis juste dire musique francophone, c'est comme mettre quelque chose dans une petite boîte qui peut pas exister. Mais là, moi, dans l'Ouest, j'ai eu à participer à un concours dans ma ville, dans ma province, qui s'appelait Nouvelle Scène. Et de là, il y a un lauréat qui se rend au Chante Ouest, qui est un regroupement des artistes de l'Ouest, vraiment. Chaque artiste a eu à performer dans leur province et ils deviennent lauréats et ils se rendent au Chante Ouest. J'ai espoir en création en français, puis je trouve que les gens de l'Ouest, ils sont ouverts au multiculturalisme, ils sont ouverts de voir des shows qui sont pas juste dans une langue. Je suis très contente de représenter l'Ouest canadien parce que souvent les gens, je pense, se rendent pas compte à quel point on a quand même des communautés vibrantes francophones. Puis de pouvoir faire le pont un peu entre les deux, pour moi, c'est un privilège. Vu qu'une partie de ma vie est en français, c'est super important de pouvoir écrire et jouer et participer à la communauté musicale francophone, qui bien sûr est super variée et super vaste. Je participe au Festival international de la chanson de Granby grâce à notre participation à l'expérience d'accompagnement d'artistes qui s'appelle Rond-Point et qui est organisée par l'APCM en Ontario. C'est cool d'être ici pour pouvoir partager et faire un lien avec la communauté francophone musicale au Canada et plus particulièrement au Québec, parce que c'est vrai qu'en Ontario, maintenant, on a fait pas mal de liens, mais de sortir de cet espace-là, qui est quand même un milieu assez petit, alors pouvoir être ici, ça ouvre des portes dans le monde francophone. C'est vraiment bien. C'est fun de venir au Québec en même temps où tout le monde parle français, puis on peut vraiment jouer en long et en large de la province et se faire comprendre. Qu'en Ontario, les productions et les prestations bilingues se font très souvent. Le public l'attend puis l'apprécie beaucoup. C'est juste côté vente de disques qu'on nous dit que c'est difficile parce que peut-être les disquaires qui savent pas trop quoi faire avec un disque trop moitié-moitié. Mais pour nous autres, c'est carrément notre vie puis c'est normal.